Et face à la recrudescence des cas d'enlèvement des passagers des taxis, bus et motos dans la ville de Kinshasa, le ministère provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité et Justice a annoncé une série de mesures pour lutter contre cette forme de criminalité. Dans un communiqué signé par Gratien Sakala, l'autorité urbaine annonce l'interdiction de circulation des taxis avec vitres teintées, le respect de la limitation du nombre de passagers essentiellement pour les taxis et les motos, l'affichage visible par les taxis, bus et motos du numéro d'identification, les signalements par les transporteurs des intrus dans leur coopération. Par ailleurs, l'exécutif provincial invite la population à la vigilance et à dénoncer tous les suspects et leurs complices et aussi rassure de l'implication de tous les services de sécurité de la ville en vue de garantir la sérénité des passagers sur le trafic urbain.